Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va aller ensemble au Puy du Fou. Je suis trop contente. Vous êtes contentes derrière? Oui! Ah, trop bien! Et ce qui est trop cool, c'est qu'en fait, on part 2 jours. Voilà, j'ai gagné un séjour au Puy du Fou via un concours Facebook. Je vous mettrai la vidéo explicative du concours dans le petit i. J'ai eu trop de chance et c'était le concours de Noël. Et donc du coup, on a pu choisir l'hôtel de notre choix, les dates de notre choix. Et bah, on part maintenant. Donc, let's go, c'est parti! Ouais! Audio Jungle. Dans le parc, ça y est, on sait pas encore ce qu'on va faire, mais on y va quoi, hein. C'est parti, let's go. On sort d'une petite séance photo, elles sont super belles les photos, je vous mettrai des exemples voilà, de ce qu'on a pu faire, et là on va au chevalier de la table ronde. Super bien. Et toi, Aria? Il y a un moment où j'ai eu peur. T'as eu peur? Et tu l'as trouvé bien ou pas le spectacle? Oui. Oui. Moi, j'ai trouvé ça bien, mais pour moi, il est en dessous des autres, ce spectacle. Voilà, il est trop rapide, mais c'est quand même très bien, mais il est en dessous des autres. Donc avant le spectacle des Vikings, on se balade dans un village de Vikings. Je rentre dans une petite maison bizarre. On peut rentrer? Ben oui. Il y a quoi dedans? Oh. C'était une maison de viking. Et ben, c'était pas très très confortable à l'époque. Tu vois, ils avaient pas grand chose.
Et toi, t'as aimé? Ah, c'est 100 fois mieux. 100 fois mieux. Ah ouais, c'est vraiment un spectacle qui est super. Franchement, c'est un hit, hein. Il faut forcément le faire, c'est obligatoire. Il est vraiment trop bien. Le spectacle, moi, je l'ai trouvé super bien. J'adorais le moment où on voyait les chiens, les animaux. D'accord. Alors, le programme, on va aller pique-niquer. Parce qu'on peut pique-niquer dans le parc. Et après, on va aller faire les Mousquetaires de Richelieu. Spectacle que je n'aime pas trop, mais je vais essayer de le revoir pour l'apprécier, n'est-ce pas? J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, les tops et les flops Puy du Fou. Je vous la mettrai dans le petit i, où clairement le spectacle fait partie de mes flops. Mais bon, je vais le revoir pour essayer de changer d'avis, on verra bien. À table. J'ai pris un wrap. Non, bonjour, on mange en bonne compagnie. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rien bon de toute mon pensée. Allez, ça y est, on a mangé. Donc le masque n'est pas obligatoire dans les allées du parc, mais obligatoire pour tout ce qui est spectacle en fait. Tout ce qui est assis, voilà, avec de la foule. Après, nous, même quand on est à l'extérieur, s'il y a du monde, bah, on met notre masque. Bon, là, il n'y a personne, donc on peut respirer. Ah, d'ailleurs, je le remets. On y va? Allez, on y va, let's go! Direction les Mousquetaires de Richelieu, je vais essayer de donner une seconde chance à ce spectacle. C'est parti, let's go! Le spectacle? Oui, j'ai aimé, il y a eu plein d'actions, à part un moment où il y avait un gros... Ah oui, ils ont tiré avec des armes. Ouais, sinon, t'as aimé? Oui, j'ai aimé. Ok. Mais et... j'ai eu peur. Et toi, t'as aimé? Oui, j'ai adoré. C'est mieux ça ou les Vikings? Ça. Ah, t'as préféré ça, ok. J'ai pas très bien compris l'histoire, mais... Ah bah voilà, moi non plus, c'est mon problème. Ouais, et toi alors? Bah ouais, je te rejoins un peu, l'histoire est pas... Ouais, la technique est très bien. Les scènes cascades sont très bien, mais l'histoire à le dérouler, ouais, c'est compliqué un peu. Hein. Ouais, il manque quelque chose. Ouais. Donc moi je suis d'accord. Hein. L'histoire elle est toujours aussi bordélique et après c'est joli, hein. Y a pas à dire. Hein. Et les chevaux, tout ça, les effets spéciaux machin, mais l'histoire, je sais pas, je la trouve compliquée. Il y a des machins, des trucs, je sais pas. Bref, c'est pas mon préféré. Bon bah après c'est joli, hein. Visuellement c'est beau. Allez, maintenant on se dirige vers la meilleure attraction de tout le parc, à savoir le mystère de la Pérouse. Oui, oui. C'est mon spectacle. C'est pas vraiment un spectacle, c'est un parcours qu'on fait à pied. Je trouve ça trop beau, j'adore. Est-ce que je vais être déçue? Ça se trouve, je vais être déçue en vrai. Parce que je trouve ça trop bien, mais ça se trouve, je vais le refaire et je vais le trouver moins bien. On va voir ça tout de suite.
t'as trouvé ça comment? Super bien. Super bien. T'as trouvé ça comment, la Pérouse? Trop méga bien. Trop méga bien. Il y avait beaucoup de monde par contre, mais c'était très très bien comme d'habitude. Très joli et je pense que je vais le refaire quand il n'y aura personne. Parce que j'aime bien traîner un peu et regarder tout ce qu'il y a, les détails, tout ça. Mais c'est vraiment super chouette et c'est très immersif. Moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et je valide à 100%. J'ai un peu honte parce qu'en fait on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. T'avais pas vu. Et moi j'avais pas vu. Du coup, après ça va, l'appareil photo. Enfin, ma caméra elle a pas de flash ni rien, donc c'est très discret comme caméra. C'est vraiment un tout petit truc, donc ça dérange pas, on va dire, le public quoi. Mais je pense que c'est plus pour le droit à l'image, tout ça. Bah tant pis, je le referai pas. Désolée. T'en as pensé quoi de ce spectacle? C'était super bien. Super bien? T'as aimé le spectacle? Oui, j'ai adoré. C'était super bien. C'était super bien. T'as pas eu trop peur quand il y avait du sang? Si. Un petit peu. Et t'as trouvé ça bien, Martin? Oui. Très bien. Ouais, bah oui, c'est clair, c'est un hit. Ne venez pas ici sans le faire. C'est un très 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 beau spectacle. Magnifique. Vraiment superbe. On va faire le labyrinthe, let's go! Allez, maintenant on va aller faire le premier royaume. Je ne l'ai jamais fait, je vais voir. T'as pensé quoi du dernier royaume, Bibou? C'était trop bien. C'était joli? Ouais. T'as pensé quoi alors? Super bien. Super bien? Trop beau. T'as bien aimé? Ouais, j'ai bien aimé. Par contre, je trouve que l'histoire est moins lisible que Pérouse. Ah pour oui. Le même type de balade. Ouais, c'est vrai. Alors malheureusement, on ne peut pas filmer. Voilà, là cette fois, j'ai bien regardé avant de rentrer dedans, j'ai pas pu filmer. J'espère que je trouverai des petites images à vous mettre. C'est très 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 beau, c'est très poétique. Chaque salle égale une ambiance complètement différente. Et par contre, ouais, l'histoire elle est pas tellement lisible, mais bon, on se laisse emporter quand même et c'est très 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 joli. Voilà, donc super. We'll be right back.
s'appelle Les Amoureux de Verdun. Ah bah j'ai adoré, par contre c'était vraiment pas gay du tout. C'est triste hein. C'est assez impressionnant, mais c'est bon, c'est réaliste hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, Aria? C'était pas bien. À part à la fin où il y a eu un Noël et ils ont fait la paix. T'as et eu peur en fait, c'est ça? Il m'a expliqué qu'ensuite ça a commencé qu'il y avait la guerre. Oui. T'as eu peur? Bon bah c'était Les Amoureux de Verdun. C'est temps, ouais. En gros, on est dans des tranchées et on vit la vie des soldats dans les tranchées et c'est très réaliste et ça fout le moral à zéro, n'est-ce pas? Et c'est très impressionnant pour les enfants. Donc voilà, c'est à faire, mais pas avec des jeunes enfants. C'est assez impressionnant. Bon allez, maintenant on va aller faire le... comment ça s'appelle? Le jardin de Jean de la Fontaine, on va dire ça comme ça. Le parcours sur Jean de la Fontaine et sur les fables. Il a été refait cette année. Donc bah, écoutez, c'est parti, on y va. C'était bien la visite du château ou pas? Trop méga bien. Toi t'as aimé la visite du château? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Toi t'as aimé, Luna, la visite du château? Oui. Oui, bon bah le château c'est pas mal. Dans mon souvenir c'était mieux. Il y avait moins de monde alors on a plus eu le temps d'apprécier. Ouais. Là il y avait plus de monde, du coup on était un peu serré et tout, mais c'est sympa, c'est une visite interactive avec des acteurs dans chaque pièce, il se passe des trucs, c'est une ambiance un peu Harry Potter, Poudlard, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est à faire de toute façon, tout ce qui est au Puy du Fou est forcément à faire, hein, n'est-ce pas? Donc, voilà. On va aller faire le spectacle préféré de Martin, Le Secret de la Lance. Allez, let's go. L'avant-dernier spectacle de la journée. C'est parti. Alors, Le Secret de la Lance, super bien. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est pas mon préféré, mais c'est très bien, voilà, sur les chevaliers, tout ça. Donc voilà. Maintenant, on va aller manger parce qu'on a faim. On va aller manger des crêpes. Et après, on va aller à la chambre d'hôtel se poser un peu, se réchauffer. Et on ressort après pour aller voir le spectacle de nuit qui s'appelle Les Noces du Feu. Voilà, voilà. Bon alors, on mange au garde-manger, il y a des crêpes, des sandwichs et d'autres trucs. Mais nous, on n'a pris que des crêpes. On est gourmands, on aime les crêpes. Voilà. Et après, on va découvrir notre hôtel. Espérons qu'on ait fait le bon choix.
Moi, j'aurais pas choisi celui-là, mais bon, la majorité a parlé, donc j'écoute la majorité. Bon, alors, pour 10 euros, on a une crêpe, soit comme ça, soit jambon, et crêpe au sucre, et une boisson. On va goûter ça tout de suite. C'est comme si je mangeais de la salade. Ah, c'est bon ? Elle est bonne, ta crêpe ? Elle arrive pas. Elle est dure à manger. Elle est bonne, au moins. C'est vraiment l'heure sympa pour profiter des décors du parc. Parce qu'en fait, il n'y a quasiment plus personne. Il doit être 19h30. Et le parc se vide. Et il y a beaucoup de choses à voir, des plantes, des animaux, tout ça. Et c'est vraiment l'heure à laquelle on peut visiter tranquillement. C'est très agréable. Allez, let's go. On est fatigué, mais on va aller voir le spectacle de nuit, même s'il fait pas encore nuit. Et puis, bah, ma foi, on y va, c'est parti. On se protège. Il pleut. C'est pas la joie. Ça commence bientôt, normalement. Dire, on a été voir le spectacle Les Noces de Feu, donc c'est interdit de filmer, et en fait ce qui s'est passé, c'est que bah on s'est pris une averse de pluie, mais un truc de fou, et en plus vu qu'il y a des jets d'eau, et bah on était trempés, mais puissance 10 000, et on avait tellement froid que bah on a tenu que la moitié du spectacle, et là on est rentré, on est trempé et on est fatigué. C'est un spectacle super joli, j'essaierai de vous mettre des images en plus. Et c'est très poétique, c'est très beau. Là, il faisait vraiment trop froid et il pleuvait trop fort. Donc on a préféré renoncer. Voilà, et ben, je vais clôturer ce vlog ici. Pour voir la suite des aventures, il faudra regarder la prochaine vidéo, voilà. Parce que demain, je vais faire un autre vlog. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, regardez la suite du vlog. Pour voir notre journée de demain. Bye.